I am delighted to be here with Dr. Anne Lucie and with InJazz and with these extraordinary young entrepreneurs. The U.S. Embassy in Morocco is dedicated to encouraging young people to engage in business and in entrepreneurship. And any opportunity that we have to recognize and support these young people, we're pleased to do it. Je trouve ce programme très intéressant car en fait on s'aperçoit que ce qui est important, c'est l'esprit d'entreprendre, c'est l'esprit d'initiative, c'est la volonté de réussir. Et ce programme permet à des jeunes étudiants, lycéens, de s'initier à l'entreprise, de s'initier à la réussite de leur projet. Et donc c'est une excellente initiative de la part d'InJazz. Ambassadeur d'InJazz au Maghreb, je suis fier et heureux de voir que de plus en plus d'entreprises répondent présents à la compétition nationale compagnie programme de InJazz au Maghreb. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise sont présents et cela prouve que les entreprises prennent conscience du rôle qu'a InJazz dans les lycées et dans les universités de l'enseignement public. Et aujourd'hui aussi, on voit de plus en plus de projets naître dans les classes de ces écoles-là, des projets très innovants qui, j'espère, demain donneront naissance à des entreprises innovantes, 100% marocaines, qui, pourquoi pas, exporteront leur savoir-faire dans le monde entier. Super soirée InJazz, compétition nationale très réussie. À titre personnel, très content, très fier d'avoir fait partie du jury. Toutes les équipes que j'ai pu voir, y compris en tant que jury, mais aussi lors de la compétition ce soir, ont montré une créativité, une initiative, un enthousiasme assez remarquable. Donc ça donne confiance pour l'avenir du pays.